Ok. Alors, bonjour, bonjour, chers amis. Alors, c'est un petit direct ce matin pour parler un peu à Soulé. Du peu Soulé, tu dis que Zasso dit, comme aujourd'hui c'est vendredi, puis c'est jour de prière. C'est jour de prière, il fait cette petite vidéo pour un peu te parler. Voilà, hier, il a fait un direct. Il a fait un direct, je vais lui dire pourquoi souvent. Tu vois, hier tu as fait un direct où toujours à chaque fois tu supprimes. Moi, c'est pas un plaisir pour moi d'aller sur ta page Facebook, non. Dites à sous le que Zasso dit, ce n'est pas un plaisir pour moi d'être sur ta page Facebook. Moi, quand je vais sur ta page Facebook, c'est pour mettre de l'ordre. C'est pour mettre de l'ordre. C'est pour t'amener à souvent à comprendre que ceux à qui tu parles, c'est non seulement des Ivoiriens, mais il y a aussi des étrangers. Donc, quand je vais sur ta page et que je fais des commentaires, c'est pour te dire que Soro, tu le soutiens par émotion. Tu soutiens Soro parce que tu aimes sa personne. Sinon, en réalité, là, tu ne connais pas la crise ivoirienne. En réalité, tu ne sais pas ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Toi et moi, la différence entre toi et moi, moi, j'ai vécu les crises politiques dans mon pays. Quand Soro criait sa rébellion, quand il était à la tête de la FECI, il criait sa rébellion. Quand il est devenu premier ministre, les accords de Ouagadougou, tout, j'étais là. J'étais là. Et j'ai eu même la chance, quand je suis allé au Ghana, j'ai fait la connaissance des chefs d'État qui m'ont expliqué, des anciens chefs d'État tels que le Koufo, qui m'ont expliqué même les coulisses des négociations à Accra. Soro, le président Ouattara, Babo Bédier, tout ça je sais. Je sais, parce que j'ai eu la chance de connaître de hautes personnalités, de grandes personnes. Mon seul problème là, je ne suis pas escroc. Je suis un homme, je sais d'où je viens et où je vais. Donc je ne suis pas dans les escroqueries, ça ne m'intéresse pas. Sinon c'est ces cadres, la personnalité là, moi j'ai fini avec ça. Et ça a été une bénédiction pour moi depuis des moments plus difficiles. Moi j'ai connu le président Ouattara. Quand moi je connaissais le président Ouattara, c'était dans des moments difficiles. C'était dans l'opposition. Donc, si c'est la crise ivoirienne, là, je suis bien placé et je me bats toujours de comprendre la crise ivoirienne. J'ai été proche d'Amadou Gon, j'ai été proche d'Ahmed, j'ai été proche de Bip Togo, j'ai été proche de Sissé. Même, c'est pour ça que moi, quand je suis sur ta page, j'essaie toujours d'amener ceux qui te suivent de façon. C'est-à-dire, tu penses que tu es dans la vérité, là. C'est pour toujours leur dire que tu es en train de mentir. Tu es en train de mentir. Tu sais, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, souvent, je me pose toujours des questions d'abord. Un, souvent, quand tu fais des vidéos, tu parles de moi, tu m'attaques. Sous les mois, je ne suis pas enfant de riche. Je viens d'une famille modeste. Mon père, là, mon grand-père, là, c'est lui qui m'a élevé. C'est lui qui m'a élevé. Donc, moi, là, je ne suis pas obsédé par quoi que ce soit. Je suis trop tranquille. Toute ma vie, depuis l'école primaire, j'ai été auprès de mon grand-père et ma grand-mère. Le travail, là, je l'ai connu depuis bas âge. J'étais enfant. Je travaillais et je payais même mes études quand j'étais au collège. Toutes les vacances, je suis au village où je travaille. Pour payer moi-même mes études. Parce que mes parents avaient pris de l'âge. Non, je ne suis pas quelqu'un qui est trop obsédé par le matériel. Mais ce que je vais te dire, moi, je ne soutiens pas le président Ouattara. Parce que j'attends que le président Ouattara m'amène au ciel où il me dépose tant. Non. Dieu m'a déjà tout donné. J'ai le minimum, je vis ma vie tranquille. Je n'ai même pas de problème. Je suis le seul réfugié politique au Ghana qui a été reçu par le chef de l'État, responsable de la sécurité nationale, les hommes politiques. Et je suis le seul qui est rentré en Europe avec sa famille. C'est dans mes caisses que j'ai pris mon argent. C'est mon propre argent. En pleine crise politique, pour rentrer en Europe, là, avec sa famille, ce n'est pas permis à n'importe qui. Tu ne sais même pas combien j'ai dépensé. Depuis le Ghana, Danemark, pour moi, là, c'est pas. Moi, Dieu m'a donné une chance, c'est que j'ai des relations. La seule chose, je ne suis pas escroc. Si j'étais escroc, là, je peux obtenir ce que je veux. Je n'ai pas de problème avec ça. Je suis le seul, qui est rentré en Europe avec sa famille et à qui les Blancs ont donné papier. Il y a d'autres qui font 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils n'ont même pas papier. Moi, 2 ans, j'ai pris un avocat, j'ai mis mon argent. Mon histoire politique, là, les Blancs ont vu. Moi, où je suis, je n'ai pas de pression. Mon seul combat,
c'était ma famille. Je fais partie de ma famille, moi ça me suffit. Je ne suis pas né, ça dit mon combat là, c'est pas pour rester en Europe. Non, non, non. Moi je ne suis pas quelqu'un qui aime, je ne suis pas trop. Ma mère a vécu aux États-Unis 20 ans. 20 ans ma mère a vécu aux États-Unis. C'est ma petite soeur qui est là-bas. Moi je n'ai pas voulu, ça dit, je suis pas, j'aime mon pays, la Côte d'Ivoire. Mon combat là, c'est de rester en Côte d'Ivoire chez moi. C'est de rester en Côte d'Ivoire chez moi. C'est pour ça que je me bats pour qu'il ait la stabilité dans mon pays. Je soutiens le président Ouattara pour qu'il continue de poser les bases d'une vraie sécurité. Parce qu'en 2010, là, nous, on sait ce qu'on a vécu. Sous le cas, il te parle là, je t'ai dit, moi, mon grand frère, il était gendarme. Je sais comment. Lui faisait coup du soir, moi aussi, je faisais coup du soir. Mais lui, il était en terminale, quand moi, j'étais en quatrième. Il a été gendarme après son bac. Il a été égorgé à Korogo. Il a été égorgé à Korogo devant ses enfants. Et certains de ses enfants sont aujourd'hui devenus gendarmes. Certains de ses enfants les sont aujourd'hui devenus gendarmes. Non, souvent quand je vous vois, moi je ris. Un enfant qui a vu son père être égorgé. Mais c'était sous Soro Diom. C'était sous Diom Soro. Des gendarmes ont été égorgés. La rébellion a fait du tort aux Ivoiriens. Je connais l'histoire politique de Soro. Je sais le conflit Soro-Gbagbo, comment Soro s'est trouvé avec Diagri Diabaté, Paris, quand il s'est retrouvé dans la rébellion. Tout ça, nous on sait. Mais toi, tu ne sais rien. Tu ne sais rien, tu soutiens Soro parce que tu es dans la haine. Depuis quand tu as connu Soro même? C'est hier à Paris là, tu as connu Soro. C'est à Paris parce qu'on t'a dit que Soro va devenir président, vous serez dans son gouvernement, vous serez ceci. La Foussa tout Bamba vous ont fait des promesses, ils ont commencé à vous donner un peu d'argent, ceci, cela. C'est pour ça que vous soutenez Soro. Moi je suis Ivoirien, moi je suis bété de Gagnon. Moi quand tu vois là, c'est la tête de mes parents. Non, mon combat il est différent de votre combat. Hein. Mon combat là, il est différent de votre combat. Et puis les années que tu as fait à Paris là, moi mes documents que tu gères là, tu n'as pas. Paris vous êtes là, vous n'avez pas même documents, même statut que moi. Même pas. Moi je peux aller partout dans le monde où je veux. Je peux aller partout, je peux rentrer dans mon pays comme je veux. Et puis il n'y a rien. Ça dit, je me suis mis à un certain niveau où moi je suis là. Tous vos injures, tout ce que vous faites là, je vois que vous êtes ridicule. Ma vie là, je ne l'ai pas eue en Europe. J'ai commencé à Abidjan. C'est à Abidjan là, j'ai commencé ma vie. À Abidjan là, mon compte était déjà B. Moi, dans mon compte, il y avait déjà l'argent. Et j'ai les traces. C'est pas à Paris là. Vos conneries, vous faites à Paris, en Finlande là. Moi, c'est pas dans ça. Hein. Non. Moi, j'étais ici déjà. Je faisais la politique, mais je faisais mes affaires. Parce que ma mère vivait aux États-Unis. Maintenant, elle est à Paris. Donc, quand vous parlez là, moi, vous me faites pitié. Tu dis que tu veux que Soro gouverne la Côte d'Ivoire. Mais moi, je vais te répondre que Soro ne peut pas gouverner la Côte d'Ivoire. Et c'est mon droit. C'est mon droit. Je connais les forces et les faiblesses de mon système. Je sais qu'aujourd'hui, dans mon système, après le président, il y a un petit groupe. Mais c'est-à-dire la majorité n'arrive pas à aider véritablement le président Ouattara. Donc moi, je ne peux pas quitter les réseaux sociaux. Je suis sur les réseaux sociaux parce que je tiens au pouvoir du président Ouattara. Pour moi, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus une arme très puissante en matière de communication. Non, moi, je ne peux pas abandonner le président Ouattara. Non. Pendant les élections municipales en Bobo, vous aviez votre candidat à Tiefou. Mais à cette période-là, 2017, j'ai pris le risque et puis je suis rentré à Abidjan. Quelle vidéo vous n'avez pas fait? Parce que pour moi, à Bobo, tu ne devais pas tomber aux mains de Soro. Parce que je sais de quoi je parle. Moi, je connais la politique. Hein. J'ai pris tout mon temps à connaître, comprendre la politique ivoirienne. Et surtout africaine et internationale. Je suis rentré à Abidjan. J'ai pris le risque. Je suis venu soutenir Ahmed. Parce que pour moi, on ne devait pas donner à Bobo à Soro. Si on donne à Bobo à Soro, en cette période où il y avait les microbes, Soro prenait à Bobo, ce n'était pas bon pour le pouvoir HDP. Je sais de quoi je parle. Moi, j'ai une histoire. Moi, je sais de quoi. Vous n'avez pas d'histoire. À part les injures, les petites haines, insulter les mères, vous n'avez pas d'histoire. Moi, j'ai une histoire. Moi, où je suis là, si je vais aller vivre aux États-Unis, je vais aller vivre aux États-Unis, dans n'importe quel pays du monde. Donc, pour moi, là, ne vous inquiétez même pas. Ma priorité, c'était ma famille. Ça, c'est déjà suffisant pour moi. Aujourd'hui, mon second combat, c'est mon pays, la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas un aventurier, non.
C'est les aventuriers là qui sont obsédés de rester en France. Moi, je suis allé en Europe, j'ai vécu, je suis allé en Espagne, en Italie, partout. J'ai vu comment les Ivoiriens vivent. Moi, j'ai mal. Actuellement, j'ai beaucoup de propositions à faire bientôt à nos dirigeants pour organiser les Ivoiriens de la diaspora. Moi, je suis un autre level de combat. Aujourd'hui, tu arrives à Paris, partout. Regarde les conditions de vie des Ivoiriens. Regardez bien les conditions de vie, comment ils vivent. Regardez leurs conditions de vie. Mais les Ivoiriens ne devaient pas vivre comme ça. Les Ivoiriens ne devaient pas vivre comme ça, même les appartements où vivaient. Moi, je vois beaucoup, c'est avec amertume, avec tristesse. Beaucoup ont fait des années, mais ils tombent dans des conditions difficiles. C'est toi, Soulet, qui aujourd'hui, toujours dans la voiture, en train d'insulter. Tu es toujours dans la voiture en train d'insulter le président Ouattara, en train d'insulter ta haine. Mais la rébellion de Soro, là, ça a tué des innocents. Des gendarmes ont été mis dans des conteneurs, des policiers, des quoi. Moi, j'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire. Je précise que j'étais porte-parole du président Alassane Ouattara. La rébellion, là, j'ai parcouru la Côte d'Ivoire. J'ai vu la misère que Soro a imposée à des populations. Je suis même allé à Korogo, demande à Soro Kanidi, ils vont te dire. Les autres groupes ethniques pendant la rébellion, de toute façon, ils ont été maltraités, humiliés. Il y a tellement de choses qu'on n'a pas envie de dire. Cette rébellion a tué les propres fils du Nord, des règlements de compte. Beaucoup sont tombés, ils sont morts. J'ai été dans le Nord. J'ai vécu tout ça. Je suis allé jusqu'à Man, Dieu, Guitrojean. J'ai vu tout ça. Donc, moi, je ne peux pas soutenir Soro. Si c'était moi, Zasso, là, il y a longtemps, Soro est arrêté. Et j'ai dit ça toujours à nos autorités. J'ai dit, il y a deux poids, deux mesures. On ne peut pas permettre à Soro d'être partout dans le monde alors qu'on sait où il est. Mais il faut qu'on l'arrête. Soro ne peut pas se promener pendant qu'on a réussi à arrêter les autres. Moi, je le dis. Moi, je ne suis pas un fanatique qui soutient le président Ouattara. Renseigne-toi bien auprès des cadres du parti. Moi, là, quand je suis en face du président Ouattara, je lui dis ce que je pense, en tant qu'un fils. Et sur ce côté-là, le président Ouattara m'a toujours aimé. Le président Ouattara m'a toujours... Moi, je ne cache pas mes choses. La rébellion a détruit beaucoup de nos parents. Est-ce que tu peux avoir un parent qu'on attache, on égorge, aux yeux du monde entier à Korogo, sur la place publique? Et c'est moi qui vais venir m'asseoir ici pour dire, Soro, 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 non, je ne peux pas le faire. Ça, c'est normal que tu le fasses parce que tu es malheureux. Quand tu partais à Abidjan ici, tu quittais Abidjan ici, là, tu étais comme un colis. Quand tu étais à Abidjan ici pour aller en Europe, là, tu étais comme un colis. On t'a mis dans le colis, on t'a déposé dans l'avion et tes parents sont venus te chercher à l'aéroport. C'est-à-dire d'Abidjan, là, on t'a mis à l'aéroport ici, colis de ton village, on t'a mis dans le colis, on t'a mis à l'aéroport et puis ils sont allés te déposer à Paris. Tu arrivais là, il y avait Kabato, il y avait Coca-Cola, il y avait nourriture, toi tu as mangé. Donc, tu ne peux pas comprendre le combat que nous autres nous menons. Tu ne peux pas. C'est triste, mais tu ne peux pas comprendre. Ça dit, tu n'as pas vécu des choses. Nous, nous avons vécu des événements terribles. Même la crise de 2010. La crise de 2010, c'est que moi, j'ai vécu là, c'est pire. Mais j'aime mon pays. Et le président Ouattara, là, je suis avec lui. Je ne peux pas l'abandonner. J'étais avec lui dans l'opposition. Il était très fier de moi. Amadou Gon, Ahmed Bakayoko. Aujourd'hui, c'est de nouvelles personnes qui gèrent le parti. Sinon, moi, ma place, ça ne vient pas être trop sur les réseaux sociaux. Ça ne doit pas être trop sur les réseaux sociaux. Je vais te dire la vérité que tu ne sais pas saouler. Moi, j'étais en Suisse. Quand Ahmed Bakayoko était au Koweït, il m'a appelé. Il dit, petit frère, il faut que tu rentres pour m'aider à Bobo. Je suis venu à Bobo. Je l'ai aidé. Vous m'avez insulté. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Parce que mon retour vous a fait mal. Mais j'étais partout. Mais on a gagné à Bobo. Je l'ai fait pour la sécurité du propre du pouvoir du président Ouattara. Ahmed m'a dit, Zasso, viens, on va travailler. Ahmed est mort. Amadou Gon Coulibaly, je suis allé le voir. Il m'a dit, Zasso, il faut qu'on vienne, on va travailler. Moi, je n'ai pas de problème. Donc, moi, je suis venu travailler pour non seulement pour mon pays, mais surtout pour le pouvoir du président Ouattara. Maintenant, les détails, là. Vous parlez, ah, Zasso ne fait pas ça, Zasso ne fait pas comme ça, Zasso, tout ça là, c'est dans mon pays, si je suis dans mon pays que je ne travaille pas. Mais c'est le président Ouattara qui doit me donner du travail. Mais dites-lui, ils sont là, ils ont le pouvoir, c'est eux qui décident de tout, ce n'est pas moi. Moi, quand j'étais en Côte d'Ivoire, sous Gbagbo, j'étais au RDR. Mais moi, je faisais mes affaires. Moi, je faisais mes affaires. C'est ce qui m'a permis d'être fort en exil.
C'est ce qui m'a permis d'être fait en exil. Non, le président Ouattara est là. Ils sont là, c'est pour tous les ministères, c'est pour tous les marchés. Moi, je suis rentré à Abidjan, j'ai créé mon entreprise. J'ai mes terrains. Quand je suis à Abidjan, j'ai mes propres affaires. J'ai mes terrains que mon père m'a laissé. J'ai fait asseoir mon entreprise. Je sais ce que je suis en train de faire. Mes parents là, ils sont la plupart, ils sont morts. Ils m'ont laissé beaucoup de choses. Que moi-même là, aujourd'hui, je gère, je dois maintenant tout prendre en charge. Donc moi là, je viens d'une famille. Je ne suis pas quelqu'un qui va aller s'asseoir en Europe et puis faire la grande gueule. Europe là, j'ai déjà trop vu. Je suis le seul réfugié qui va dans tous les grands pays de l'Europe. Je paye des billets, je vais partout avec ma famille. Ma famille qui est là, là ma famille connaît l'Italie partout. Je paye des billets, chambre d'hôtel, tout. On va en faire au moins une semaine, deux semaines. Non, moi, je n'ai pas de problème. Quand vous parlez, vous bavardez, vous bavardez. Vous bavardez, vous bavardez, vous bavardez. Ça prouve que vous êtes malheureux. Tu vois, depuis des années, Soro vous a tout donné. Quel argent Soro ne vous a pas donné? Quelle manifestation vous n'avez pas fait? Mais vous n'arrivez même pas à donner le pouvoir à Soro. Soulet, qu'est-ce que Soro ne vous donne pas comme argent? Quelle action vous n'avez pas posée? Mais notre présence sur les réseaux sociaux vous ont toujours déstabilisé. Vous ont toujours déstabilisé. Tout ce que les gens font, ils font les vidéos, assos. Moi, je sais qu'il y a des gens qui sont derrière eux. Parce que c'est ma personne, ils attaquent. Mais si tu m'attaques, c'est que tu es le président Ouattara qui attaque. C'est-à-dire, inconsciemment, tous ceux qui m'attaquent attaquent le président Ouattara. Parce que moi, tu ne peux pas me déstabiliser. Parce que vous pensez que quand vous allez déstabiliser Zasso, quand il y a des situations, il ne peut pas sortir. Mais moi, je vais toujours sortir. C'est ceux qui sont inconscients, qui ne connaissent même pas l'histoire de leur parti politique. Tu ne savent même pas d'où vient le RDR. Qui ne savent pas ce qui s'est passé. Comment Ouattara s'est retrouvé là? Comment le RDR s'est retrouvé là? RH, ceux qui ne connaissent pas là, ceux qui vont vous applaudir dans vos injures et vos haines. Parce qu'eux ne savent pas, ils ne connaissent rien. C'est l'ignorance, c'est l'analphabétisme, la plupart. Donc moi, je n'ai pas de soucis à ça, mais je le dis et je le répète, pour le président Ouattara, moi, je suis prêt. Parce qu'il est en train de valoriser la Côte d'Ivoire. Son leadership. C'est ici que je fais mes études, c'est en Côte d'Ivoire, c'est tout, c'est ici. C'est ici. Je vous dis toujours que je ne suis pas enfant des riches. Non, 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 je ne suis pas enfant des riches pour être obsédé. Mais Dieu m'a béni. Moi, personnellement, Dieu m'a béni. Dans ma famille, même personne ne croyait à ça. Aujourd'hui, là, moi, mes enfants, là, j'ai ma fille qui est à l'université. Ma fille, là, elle est à l'université. Mon fils, là, il est au collège. Non, moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez comme problème. Moi, je m'occupe de ma famille. Je m'occupe de ma famille. Moi, je n'ai pas de problème. La vie d'un homme, quel que soit ce que tu fais, c'est d'abord ta famille. Moi, j'arrive à mener ma famille où je veux. C'est-à-dire, si tout de suite, là, ma famille vient, je gère. Je n'ai pas besoin de faire du bruit. Non, je n'ai pas besoin de faire du bruit. Je connais l'Europe. Je suis arrivé en Suisse et je voulais payer maison au début. Mais après, mon statut ne me permettait pas. Je pouvais transférer l'argent de la Côte d'Ivoire pour payer la maison. Mon statut ne me permettait pas. Certains m'avaient proposé, non, il faut aller te marier à une femme blanche. Faut faire. J'ai dit, je ne le fais pas. Moi, je ne peux pas quitter en Afrique avec ma famille puis venir chercher femme blanche, mariée, femme. Moi, ça ne m'intéresse pas, tout ça. Femme qui a papier. J'ai dit aux gens que les blancs ne vont me donner papier. Moi, on m'a donné papier. Tu ne connais pas mon histoire. Il y a des gens qui ont statut, tous les Serge Kassi, là, ils voulaient rentrer en Suisse, ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Moi, je suis un panafricain. Je suis un panafricain. J'aime mon pays et je soutiens à 100% le président Ouattara. Soule, il faut te calmer. Parce que tant que moi, Zasso, je suis là, la Soro ne sera jamais président. Je te dis ça à chaque fois. Tant que moi, Zasso, je suis là, Soro ne sera jamais président. Tout ce que Soro vous a donné là, si moi, j'étais pour Soro, là, je te le jure, là où Soro est, il ne serait pas là aujourd'hui. Il serait peut-être en Côte d'Ivoire en train de faire autre chose. J'allais l'amener à se ressaisir et puis à se mettre au service de son pays. Parce qu'à un certain moment donné, il faut savoir dire la vérité aux gens. C'est ceux qui n'ont pas eu de parents tués, morts dans cette crise, qui peuvent faire du nep. Moi, je ne suis pas militaire, je ne suis pas gendarme, je suis un civil. C'est mon histoire, mon passé qui me donne la force d'être en politique. Je ne suis pas un homme de buzz. Je dis ce que je pense. Et je l'ai fait sous Babo. Sous Babo, là, c'est moi qui combattais Soro. Et mes parents bêtés, à cause des réconciliations Babo-Soro, là,
Moi, j'ai souffert de ça. Pourquoi j'étais avec Ouattara? Pourquoi je défendais Ouattara? Mais j'ai souffert de ça. Mais aujourd'hui, là, beaucoup ont compris mon combat, le sens de mon combat. Quand ils voient aujourd'hui les ponts, les routes, les échangeurs et autres, mais nombreux ont compris. J'ai toujours démontré aux gens que le fait que Gbagbo signe les accords à Soro, ça allait plomber Gbagbo. J'ai toujours dit qu'une rébellion, ça se mate. On ne discute pas avec des rebelles. On ne négocie pas avec des rebelles. Je l'ai dit sous Gbagbo et j'ai toujours eu ce courage. Tu ne me connais pas, Soulé. Demande au cadet d'Arasouba qui sont auprès de Soro, il faut leur demander. Et tous là, ils m'ont sollicité. Moi, Satouré là. Moi, Zasso, ils m'ont sollicité quand ils sont rentrés en Russie. Soro était prêt à me donner les moyens pour que je travaille pour lui. Moi, Satouré m'appelait depuis la Russie. Comme tu ne sais pas, moi, je te vois, moi, j'ai la conversation. Il m'appelait depuis la Russie pour me donner les moyens. Soro est prêt pour me donner les moyens pour que je. Il a dit, je ne le fais pas. Je leur ai dit que je ne vais pas le faire. Moi, je vis dans un pays développé. Je suis réfugié. Je sais d'où je viens et puis je vais arriver ici à soutenir Soro. Parce qu'il ne s'attend plus à le président Ouattara. Parce qu'il ne s'attend plus à le président Ouattara. Que moi, je vais soutenir Soro. Je ne peux pas le faire. Je ne sais même pas comment ils ont eu mon numéro. Mais je leur ai dit la vérité. Oui, il y avait Messanger aussi. Ça aussi, c'était normal. Non, il ne faut pas. Ça dit pour moi, là, il faut être serein. Sur le mois, ce qu'ils dépensent par jour, par mois, là, c'est beaucoup. Non. Toi, Soro te manipule. Il t'instrumentalise. Tu as besoin de Soro. Parce que à Paris, tu dormais. Moi, je t'ai dit, toi, tu dormais dans le salon de coiffure. Tu connais ta vie à Paris. Tu as comme un colis qu'on a déposé à Paris. Moi, ce n'est pas parents qui m'ont amené en Europe. Je suis un responsable. Je suis allé de moi-même. Du Ghana, quand j'arrivais au Ghana, là, j'ai commencé à faire mes affaires. J'ai investi au Ghana. Au Ghana, là, j'ai investi. Même au Bénin. Mais c'est comme parce que j'ai eu des gens de mauvaise foi. J'ai perdu beaucoup d'argent. Aujourd'hui, je rentre dans mon pays pour moi-même gérer mes propres affaires. C'est ça la priorité. Moi, je ne suis pas des gens qui sont fanatiques de l'Europe. Plus de 12 ans en Europe, moi, ça me suffit. 12 ans en Europe, je connais tous les pays de l'Europe. Mais moi, ça me suffit. Qu'est-ce que j'ai à m'emmerder? Aller me torturer pour l'Europe, être assis en Europe et se vanter. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je suis, moi là, je gagne là chez moi, je dois retourner bientôt chez moi à Gagnoua. Regardez chez moi, j'ai du boulot à faire. Vous arrivez aujourd'hui, Gagnoua là, il n'y a rien. Il n'y a rien à Gagnoua. Je dois participer à développer ma région. Je dois participer à développer parce que j'ai eu une expérience. Les villes où je suis parti, j'ai côtoyé des maires, des personnes importantes. Aujourd'hui, mon combat, c'est que demain, ma région là, soit une région développée aussi. Voilà, donc, calmez-vous, soyez sereins. Toi, ta vie à Paris, tu es là, tu fais ça, tu ne sais même pas où faire vidéo parce que tu sais comment tu dors, tu connais tes réalités. Vous connaissez la plupart vos réalités. Vous êtes dans des pays où vous êtes malheureux. Mais quand vous êtes sur les réseaux sociaux, on dirait que vous êtes important. Mais arrêtez de faire semblant aux gens, faire plaisir aux gens. Moi, quand je suis arrivé en Suisse, la première maison où j'ai dormi, depuis que tu es à Paris, tu n'as jamais dormi dedans. Mais ils ont mis ça à ma disposition. Les gens vont parler ici, on va dire ça, on va faire ça, on va dire ça à la Suisse. Vous allez beau faire, il n'y a rien. Moi, j'ai verrouillé mon système. Vous ne me connaissez pas, j'ai verrouillé mon système. Les Blancs sont conscients. Ils savent que j'aime mon pays. Ils savent que mon combat, moi, mon vrai combat, là, c'est de faire de sorte que le RHDP soit un grand parti politique. Soulé, ma vision, là, ça dit, après Ouattara, il faut que le RHDP soit un parti fort. Malheureusement, il y a beaucoup à faire. Malheureusement, il y a beaucoup à faire parce que quand vous parlez, moi, je vous écoute. C'est vrai, je vous dis ça toujours, j'affirme. Je dis, nombre de mes frères, Malinke, Ukwati, Amadou Gon, Ahmed Bakayoko, le président Ouattara a donné le pouvoir, n'ouvrent pas les yeux sur leurs frères ivoiriens que nous sommes. Ceux qui ont tout le pouvoir, moi c'est ce qu'on appelle un système politique, ceux qui ont tout le pouvoir. Ceux qui ont tout le pouvoir économique aujourd'hui, mais leurs propres frères ivoiriens, là, ils n'arrivent pas trop à ouvrir les yeux. C'est pour ça que le président Ouattara, vous êtes là en train d'insulter le président Ouattara. Vous le dénigrez, vous l'insultez. Quand nous on était dans l'opposition, là, nous les assos, là, on avait le pouvoir, on était forts. Financièrement, nous, on était forts. Il n'y a pas quelqu'un. Demandez vos opposants, ils vont vous dire. Moi, Zasso, là, je monte au créneau. Quand j'ai fini comme ça, le président m'appelle puis me félicite. Amadou Gon me félicite, Ahmed Bakayoko me félicite.
Un pouvoir politique, là, moi j'ai eu le temps d'étudier les échecs, les pays, les systèmes politiques qui ont réussi et qui ont échoué. Non, il y a des choses avec quoi je n'échoue pas. Combat politique, je suis rigoureux, je suis ferme. J'ai apporté du tonus à la lutte du RDR à un certain moment donné de l'histoire. Il n'y a pas un cadre qui ne me connaît pas. J'étais celui-là que tous les cadres invitaient partout. Aujourd'hui, s'ils sont là et que vous pensez que peut-être qu'on n'est pas encore riche ou on n'est pas ça, mais c'est leur problème, c'est eux qui gèrent le pays. Moi, je ne peux pas aller dire un cadre du parti, je vais te forcer, il faut faire ça. Non! Mais moi, ce que j'ai fait, le peu que j'ai là, ça me suffit. Moi-même, normalement, ma place là, c'est sur le terrain. Je dois parcourir toute la Côte d'Ivoire. Je dois être partout pour sensibiliser, organiser avec mes amis, ça doit être notre travail. Parce qu'aujourd'hui, le parti là n'a plus de leaders sur le terrain. La plupart des cadres ont été nommés, sont devenus riches. Donc, ils ont abandonné la lutte. C'est ce qui me fait mal, sinon moi, je n'ai rien. Tu penses que les soldats qu'on a arrêtés là, Assimi Goïta peut garder nos soldats pendant plus d'un mois? Soulé. Parce que c'est votre business. Parce que pour vous, plus Assimi Goïta garde nos soldats, plus pour vous, l'armée va se lever. Mais j'ai déjà dit depuis le premier jour à l'armée de Côte d'Ivoire que ce qu'Assimi Goïta fait, c'est pour vous soulever contre le pouvoir du président Ouattara. Donc c'est rentré dans la tête de beaucoup de généraux, des officiers et autres. Quand je finis, je leur envoie mes vidéos. J'ai dit l'objectif clé là, c'est de faire un coup d'État. Et Soro est derrière ça. C'est moi qui étais le premier à dire Soro est derrière ça. Parce que je suis tous vos mouvements que vous faites au Mali. Les djihadistes, tout ce que vous faites là, moi je sais tout ça. Moi je sais tout ça. Tous les mouvements que vous faites là, moi je sais. Je sais tout ça. L'insurrection d'octobre, quand vous avez lancé, insurrection d'octobre là, vous êtes où? En octobre, vous nous avez défié ici. Sous les mains, vous avez dit, moi ça saute. Demande à qui tu veux. Voilà Alpha Yaya qui est là. J'ai été le seul qui est qui vit en Europe, qui a pris le billet pour être à Bidjan en octobre 2020. Quand ça a chauffé en octobre 2020, là, moi, j'ai pris mon billet. Le billet, là, ça coûtait plus d'un million. J'ai payé, je suis venu à Bidjan. Je suis venu à Bidjan et j'étais à Bidjan. Jusqu'à ce que les choses se calment. J'étais dans la violence, là, où il y avait Palab, la nuit, les Yamsokro, la guerre. J'étais jusqu'à même chez Alpha Yaya. J'étais dans la Bagoué, j'étais partout. Korogo partout. Moi, je ne suis pas lâche, je ne suis pas un peureux. Non, 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 non. Moi, je ne suis pas lâche, je ne suis pas un peureux. Je ne suis pas lâche, je ne suis pas un peureux. Non, 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 non. Moi, j'aime mon pays. Et je serai derrière le président Ouattara. Quels que soient les problèmes, je serai là. Parce que je connais sa valeur. Je sais qui il est. J'ai été en face de lui. J'ai parlé avec lui. Il m'a parlé, je l'ai écouté en tant qu'un père. Donc, moi, Zasso, je ne peux pas l'abandonner. Tout ce que j'ai fait sur les réseaux sociaux, est-ce que vous m'avez une fois vu depuis 2000 choses, je suis revenu, je suis allé en Europe, je suis revenu sur les réseaux sociaux, est-ce que vous m'avez vu un jour m'énerver pour dire, je ne suis plus Ouattara, je ne suis plus RDR, je ne suis plus... Moi-même, je vous dis que je suis RHDP. Il y a beaucoup même qui ne sont même pas prêts à dire qu'ils sont RHDP. Moi, je dis, je suis pro-Ouattara, je suis RHDP. Parce que pour moi, une vraie lutte, c'est le parti politique. L'ANC en Afrique du Sud, aujourd'hui, continue d'être à la tête de l'Afrique du Sud. Après Thabo Mbeki, on a mis l'autre. Après l'autre, aujourd'hui, on vient de mettre Ramaphosa. Mais c'est ce système-là que moi, je rêve demain chez moi. C'est-à-dire, quand le président Ouattara ne sera pas là, il faut qu'il confie la Côte d'Ivoire à des gens qui se sont donné un destin national, malheureusement. Malheureusement, on n'a pas pour l'instant, on n'a pas encore de cadre. Tu veux vraiment se donner un destin national. Certains sont là, mais ils ne peuvent pas encore parce que bon, il y a trop de choses dans nos systèmes, trop de problèmes de personnes, de conflits, de tribalisme, de clanisme, de régionalisme qui est en train de fatiguer notre combat politique aujourd'hui. Et qui fatigue même le président Ouattara. Tu vas sur les pour te dire que moi je ne suis pas un hypocrite. Quand moi je veux dire mes choses, je les dis et puis tu ne peux rien me faire. Moi, j'ai vu pire que ça, Soulé. Autant de babos, là, Soulé. Moi, Zasso, là, j'ai été trop agressé. Autant de babos. Tu sais pourquoi les histoires de... J'ai tapé beaucoup. Demande, ils vont te dire, dans les agorais parlement, on m'agresse, on m'insulte, on va chez mon papa, on casse, on frappe mon père, on humilie ma fille. J'ai trop vu. J'ai trop vu. J'ai trop vu. Moi, j'ai trop vu. Rien ne me freine, si ce n'est pas Dieu. J'ai pas peur de dire ce que je pense. Si tu étais comme moi, ça dit je veux que tu me ressembles.
En fait, je veux que tu me ressembles. Si tu me ressembles demain, tu vas voir que ce rôle-là, tu vas l'amener à créer une ONG ou à venir faire la prison. Moi, Zassoro, si j'étais avec toi, j'allais dire à Soro, va faire la prison. Tu ne peux pas vivre en Europe et te comporter comme un idiot. Tu te comportes comme un idiot, un clown, parce que toi, tu as été pris comme un colis. Quand nous, on partait, il y avait des crises politiques. C'est des crises politiques qui nous ont amenés en Europe. Nous sommes passés sur pirogue. On a mis nos enfants dans pirogue. Dans la guerre de Yopougon. Où il y avait les IB, les Kouas qui affrontaient, qui s'entretuaient. Moi, je suis pris pirogue avec ma famille. Jusqu'à des soldats m'ont accompagné, jusqu'à je suis rentré, j'ai pris pirogue jusqu'au Ghana. J'ai fait deux jours sur la mer. J'ai vu les vagues de mer. La nuit, les pirogues là, ça s'arrête. Des amis, des enfants, des familles. Il y a des familles dont les pirogues même là ont chaviré. Les pirogues, il y a des familles qui n'ont pas été sauvées. Moi, j'ai été sauvé. Dieu m'a protégé. Mon combat n'est pas de faire de sortir de la guerre dans mon pays. Mon combat n'est pas de faire de sortir des réfugiés demain. Mon combat n'est pas de sorte que des femmes soient violées, des enfants soient tués. Ce n'est pas ça mon combat. Parce que je peux m'asseoir en Suisse, comme tout le monde, vous le faites. Ma page Facebook, là, je peux transformer ça à une page où je vais insulter les mamans, je vais dire du n'importe quoi, je vais venir dire, ah, toi, ta mère quand, et puis les gens vont rire, ils vont venir partager, parce qu'eux, ils aiment ça. Non, moi, mon éducation ne me permet pas ça. Moi, mon éducation, là, ne me permet pas ça. Tu vois, la fois dernière, tu fais vidéo, tu dis, certaines personnes qui insultent ma maman, et puis moi, toi, tu vas faire, moi, j'attends que ceux qui ont insulté aussi ta mère, là, j'attends ce que tu vas faire d'eux à partir de Paris. Et je te lance ce défi. J'attends que tu fasses ce que tu... Mais pour moi-même, là, il faut laisser pour moi. Là. Pour moi, là, je vais gérer ça. Ceux qui m'insultent, là, me connaissent. Pour moi, là, je vais gérer. Je ne suis pas pressé. Hein. Et je le dis toujours, je vous dis toujours, personne ne peut défendre ça. Personne. Je me bats pour qu'en Côte d'Ivoire, nous avons un état de droit. Mon combat, là, c'est qu'il y ait un état de droit. C'est-à-dire, demain, si le président Ouattara n'est plus au pouvoir, c'est-à-dire, nous, les partisans de Ouattara, nous qui soutenons Ouattara, qui sommes des militants du RHDP, qui sommes un Ouattara, nous, là, il faut que nos intérêts soient protégés dans ce pays. Nos droits soient respectés dans ce pays. C'est le sens de mon combat. Hein? Il faut que dans ce pays, on dise, ah, quand Ouattara n'est plus là, ils vont venir, ils vont casser ta maison, ils vont piller ta maison, ils vont t'insulter, ils vont humilier ta famille, ils vont agresser ta famille, ils vont faire ceci, ils vont vous arracher vos biens. Moi, ce n'est pas ça mon combat. Mon combat, c'est que demain, si jamais, parce que quand on est politicien, il faut un jour te dire que tu peux aller dans l'opposition. Donc, moi, je suis préparé à tout ça. Il faut un jour te dire que tu peux retourner aussi dans l'opposition. Donc, moi, moralement, je suis préparé. Je ne suis pas obsédé par aucun matériel. Je ne suis pas obsédé par quoi que ce soit. Parce que tout ce qui vient de la politique, là, ne nous appartient pas. Ça appartient au peuple. Ça appartient au peuple. Donc, les richesses qu'on obtient dans des politiques sont des choses qui ne durent pas. C'est des choses qui ne durent pas. Parce que quand les systèmes viennent, ils vont te fermer toutes les portes, ils vont vous arracher, ils vont vous écraser, ils vont vous humilier, même vos femmes. J'ai vu trop de choses, champion. Moi, Zasso, j'ai vu trop de choses. J'étais au Ghana avec des ministres, probablement. En Côte d'Ivoire, ils étaient intouchables au temps du Babo. Quand je parlais là, c'est eux qui envoient les gens pour venir m'agresser. Ils payaient les gens pour venir m'insulter, pour venir m'agresser dans les agora. Mais c'est la même chose. Aujourd'hui, dans mon parti, il y a des gens qui financent des gens pour m'insulter. Ils croient qu'ils ont peut-être raison. Non. Moi, j'ai déjà vu tout ça. Je suis trop serein. Soulé. Moi, Zassou, je suis trop serein. Toi et moi, n'est pas la même chose. Tu vis en Europe, tu n'as même pas maison où tu vas dormir. Tu es là, tu fais des... Mais montre ton salon, montre ta maison, mets-toi à l'aise. Mais tu ne peux même pas. Parce que tu sais comment tu vis de dettes sur des dettes. La plupart, vous tous, vous êtes endettés. Vous êtes tous endettés. Aujourd'hui, ton seul espoir, c'est Soro. Avec Soro, tu peux avoir la crise du Mali, là. Tu peux avoir un peu d'argent. La crise du Mali, là, aujourd'hui, là, on vous envoie l'argent. Les autorités maliennes vous donnent au moins 2000 euros, 3000 euros. Donc, pour vous, vous avez atteint... Vous êtes au sommet de la vie, c'est faux, c'est des conneries. Ne profitez pas de la souffrance des gens pour dire que vous êtes quelqu'un, non. Ne profitez pas de la souffrance de certaines personnes pour dire que vous êtes quelqu'un, non. On a trouvé. Dans le nord, là, dans l'ouest, 60% du territoire, là,
que seront à gérer là. Je vais te dire la vérité. Il y a des gens qui étaient milliardaires que moi je connaissais. Mais à cause de la rébellion de Soro, ils ont tout perdu. Aujourd'hui, leurs familles n'ont rien. Leurs enfants n'ont rien. Les gens souffrent. Leurs familles n'ont rien. Leurs enfants n'ont rien. Depuis plus de 10 ans, 11 ans, 12 ans, bientôt 20 ans, les gens sont malheureux aujourd'hui. Alors qu'ils avaient investi beaucoup d'argent dans leur vie. Je les connais. Je parle toujours avec eux. Je parle toujours avec eux. Il y a des gens même qui n'arrivent plus à mettre leurs enfants à l'école. Pendant que toi, tu es sur les réseaux sociaux en train de faire la promotion de Soro. Pendant que tu es en train d'insulter les gens à cause de Soro. Pendant que tu as la haine. Mais Soro a détruit des familles. Soro a détruit des familles. Soro a humilié des familles. Et c'est vous qui vous dites, Soro va devenir président. Soro ne sera pas président tant que nous on est là. Souvent tu dis à les gens du RHDP ne vous aiment pas, les gens, mais c'est leur problème s'ils ne nous aiment pas. Nous on s'en fout de ça. Que les cadres du RHDP nous aiment ou pas, moi je m'en fous de ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, tant que le pays est là, moi j'ai toujours espoir. Mais c'est mon pays. Quel argent j'ai pas vu dans mon pays? Aïe. Quel argent j'ai pas vu et l'argent va m'intimider. J'étais en Côte d'Ivoire ici, là, même j'étais dans l'opposition, j'avais trois voitures, trois grosses cylindrées. Un cadre m'a donné un, moi-même j'ai payé deux. Je dormais dans une grande maison. Donc, qu'est-ce qui va m'effrayer? Attends. Moi, je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Il faut être malheureux, pauvre dans la tête. C'est quand on est pauvre dans la tête, on est malheureux. Quand on est souvent dans ce genre de petits trucs. On est souvent dans ces petits trucs. Aujourd'hui, vous agrippez sur le Mali parce que vous pensez que du Mali, on peut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais quand la rébellion va venir demain, ça dit c'est que Soro prépare. Quand ça va venir demain, là, nous tous, on ne serait pas là, on serait assis en Europe. Hein? On serait tous assis en Europe. Hein? Moi, je vois des gens qui rient, qui sont dans la comédie. Mais on serait tous assis en Europe. Mais ce n'est pas ça ma vision. Aujourd'hui, je suis allé au Ghana. J'ai fait 2 ans au Ghana. J'arrive aujourd'hui au Ghana. La jeunesse ghanéenne contrôle l'économie du Ghana. Le Ghana a 90% aux Ghanéens. Tout le secteur, les Ghanéens de la diaspora sont des milliardaires. Ils ont même créé une banque. Les banques, ils ont des banques. Ici, ils ont des banques au Ghana. Des banques européennes dans leur pays. Il faut que la diaspora ivoirienne se réveille. La diaspora ivoirienne, elle se réveille. La diaspora ivoirienne doit se réveiller pour prendre véritablement sa place. La diaspora ivoirienne doit se réveiller pour prendre véritablement sa place. Moi, j'ai été reçu par des ambassadeurs ghanéens au Danemark, à Paris, en Allemagne, parce que ce sont des connexions que j'ai eues. Mais quand je vois la vie des Ghanéens dans les pays de l'Europe et leur réalisation dans leur propre pays, mais je tire chapeau. Les systèmes politiques facilitent la tâche à la diaspora ghanéenne. Les systèmes politiques facilitent la tâche à la diaspora ghanéenne. Quand tu es de la diaspora ghanéenne au Ghana, tu rentres dans ton pays, tu veux faire affaire, on te facilite la tâche. Voilà les combats qu'on attend du président. C'est-à-dire, voilà ce qu'on prie Dieu un jour raconter le président Ouattara pour dire au président Ouattara. Ton système là, il faut vraiment verrouiller, il faut vraiment revoir. J'ai dit ce que je pense. Le système là, le président Ouattara travaille tellement, mais il y a beaucoup de choses qu'il doit corriger. Il y a beaucoup de choses qui vont être corrigées. Parce que si on ne les corrige pas, pour l'avenir, je ne suis pas sûr que si on a eu demain un opposant en face de nous, on va garder le pouvoir. Un bon opposant civilisé. Il va nous voler la vedette. Donc, Zoulé, moi je pense que il faut mettre beaucoup d'eau dans ton vin. Ton soutien à Soro là, ce n'est pas intellectuel. C'est parce que tu es pauvre, tu es malheureux, que tu soutiens Soro parce que tu as déjà tout perdu. Tu as tout perdu. Ton seul espoir aujourd'hui, c'est John Soro. Moi, Soro n'est pas mon espoir. Mon espoir, c'est mon pays. Mon seul espoir, c'est la stabilité dans mon pays. Mon espoir n'est pas non politique. Non. Parce que je sais d'où je viens et je sais où, comment je suis arrivé là. Mon espoir, là, ce n'est pas en politique, ce n'est pas les injures, ce n'est pas quoi. Non. C'est moi-même. La stabilité de mon pays, comme au Ghana. Au Ghana, là, quand je suis arrivé, c'est parce qu'il y a la stabilité au Ghana que j'ai investi. Au Ghana, j'avais des champs.
J'avais des champs, je louais des champs pour faire des plantations. Ça aussi, ça m'a fait rentrer l'argent. Ça aussi, ça m'a fait rentrer l'argent. Parce que là-bas, il y a la stabilité. Donc, chez moi, là, il faut qu'il ait la stabilité de chez mon pays. Toi, tu es à Paris là-bas. Ton rêve, là, ce n'est plus de venir en Côte d'Ivoire, c'est de rester à Paris, te promener. Et puis, tu dis, je m'appelle Bibi. C'est idiot. Moi, je te dis, tu joues le clown, tu es un idiot. Reste, je m'appelle Bibi. Tu insultes, tu n'es pas Bibi. Mais toi-même, si on te demande là, pourquoi tu soutiens Soro, tu vas dire quoi? Si on te demande pourquoi tu soutiens Soro, tu t'assois à tes enfants qui te regardent, ta famille. Quand ils te regardent, ainsi ils te considèrent vraiment comme un homme. Un homme qui a fait rébellion et des gens ont été tués, des femmes violées, des familles ont tout perdu. Pour cette personne, tu insultes, tu agresses. Nous-mêmes, tu avons perdu nos parents, tu nous agresses. Mais ce défi-là aussi, nous nous sommes lancés ça. Nous, là, on s'est dit aussi que Soro ne peut pas nous gouverner. Et il ne peut pas nous gouverner. Soulet, moi, ma prière, c'est d'amener les cadres du RHDP, Amadou Gon et le président Ouattara ont façonné, et tu n'as pas encore compris le combat du président Ouattara. Amadou Gon est mort, Ahmed est mort. C'est pour ça que vous sautez aujourd'hui, vous avez maintenant plus d'espace. Vous avez maintenant plus d'espace jusqu'à vous arriver au Mali, vous prenez nos soldats. Vous prenez nos soldats. Depuis combien de mois vous avez nos soldats? Parce qu'Amadou Gon est mort, Ahmed Bakayoko est décédé. Ça me fait très mal, mais c'est pas grave. Nous, on continue de soutenir notre chef de l'État parce qu'on est convaincu qu'une solution sera trouvée. Mais si Amadou Gon était là, Ahmed était là, nous, on avait déjà réglé ce problème. Parce que nous, on va laisser le vieux tranquille, on laisse le vieux de côté, puis nous, on geste entre nous. Si Amadou Gon vivait, Ahmed vivait là. Moi, il prenait ma voiture, il partait chez mon grand frère. Je l'appelle, il dit, Ahmed, moi, je viens. Enfin, on gère ça comment? Moi, je gère ça. Moi, j'ai confiance en Bac. J'ai confiance en Amadou Gon. C'est des gens ouverts. C'est des gens qui ont un très bon esprit. C'est des gens qui sont prêts à tout. Quand tu vas t'asseoir devant eux, tu dis, grand frère, voilà la vision là. Eux-mêmes, ils sont déjà en avance, ils peuvent te dire, petit frère. Tu comprends? Vous avez peur. Ici, là, tu as fait vidéo, tu attaquais les ministres Adjoumani. Tous les cadres du PDC, vous les insultez. Bon, aujourd'hui, le ministre Adjoumani, il est incontournable. Et puis, je vais te dire, Soro, là. C'est-à-dire, quand on dit, tu ne connais pas Soro. Souvent, tu insultes certains ministres. Mais eux, là, c'est chez eux, Soro dormait. Soro, là, quand il va chez le ministre Adjoumani, là, il a sa chambre. Le ministre Adjoumani connaît Soro, que tu connais. Non, ton petit Soro, là, nous, on le connaît. Il faut rester tranquille. Quand tu as fait des vidéos, tu as broché ça. Adjoumani les connaît Soro. Aujourd'hui, là, tous ces cadres qui étaient bien bédiés, que vous appelez les traîtres, là, c'est des gens qui ont travaillé avec Oufou Boigny. C'est des gens qui ont connu Oufou Boigny. C'est des gens qui ont été avec Oufou Boigny. Eux, ils se sont battus pour que la Côte d'Ivoire soit un grand pays. Aujourd'hui, ils ont tous compris qu'il est important d'être avec le président Ouattara pour construire la Côte d'Ivoire. Ces cadres-là, moi, je suis fier d'eux. Les Anoblé, les Patrick Hachi, la Djoumani, il y a, comment on appelle ça, les Daopolin, tous ceux-là, c'est des gens dont je suis fier. Et leur présence auprès du président Ouattara renforce aujourd'hui notre but. Les seules personnes à qui je dois parler, ce sont mes frères du Nord que le président Ouattara donne le plus de pouvoir. C'est à ceux-là seulement que moi, ça, je vais parler. Parce que c'est eux qui deviennent aujourd'hui le grand danger même pour nous, le RHDP, et pour le président Ouattara. Ils sont fermés, ils sont en clan, ils sont régionaux, ils sont... Et c'est vraiment gênant, gênant, gênant. Parmi eux-là, il n'y a pas quelqu'un qui a un destin national. À part le président, il n'y a personne parmi eux. Ils sont là instrumentalisés, même par certains de leurs frères. Au lieu de chercher à réfléchir à un combat national, qui va faire de sorte que si le président n'est pas là, eux-mêmes là, ils continuent d'être encore plus forts, ils ne sont pas prêts. Voilà Kone Katina qui vient d'arriver. Kone Katina est déjà parti. Il avait tout le monde. Ça dit Kone Katina, tu arrives aujourd'hui, son équipe là. Il a pris les bétés, les attiers, les amis, les quoi, il les a tous mélangés et il sort avec eux. Chez nous là, ils sont en famille. Ils sont en clan. Ils sont en famille. Ils sont en clan. Mais vous ne pouvez pas éternellement compter sur le président Ouattara. Vous ne pouvez pas éternellement compter sur le président Ouattara. Vous ne pouvez pas éternellement compter sur le président Ouattara. Moi je vous dis ça chaque fois. Le président Ouattara pour arriver là, là. Il s'est mis au-dessus de tout. Le président Ouattara, tu peux l'appeler. Il a vu ton appel. Si c'est manqué, le président Ouattara te rappelle.
Le président Ouattara te rappelle, il t'écoute. Moi, quand j'étais dans l'opposition des pasteurs, de quoi, avec Joël Nguessan, je vais de Joël Nguessan, il dit, telle personne veut voir le président Ouattara. C'était facile. On pouvait facilement raconter le président Ouattara pour faire des propositions. Aujourd'hui, on ne peut pas. C'est qui vous donne les raisons, vous les saoulez. C'est pour ça que vous avez souvent raison. Quand vous parlez trop, on ne sait pas quoi dire. Sinon, tout ce que tu fais à Paris, là, ta bouche, là, il y a longtemps, tu as fermé. Ça m'a été dit, ça. Tu allais te retrouver devant la justice. Tu allais te retrouver devant la justice. Moi, Zasso, là, si j'avais vraiment les moyens, vous qui êtes à Paris, qui bavardez, là, j'allais créer les conditions pour que vous trouviez devant la justice. Moi, je vous le dis. Ça dit, chacun de vous allait se retrouver devant la justice. Parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous êtes là. La plupart de vos frères, là, ils sont puissants. Ils vous laissent insulter Ouattara. Ils vous laissent dénigrer Ouattara. Ils vous laissent rentrer au Mali. Ils vous laissent aller recruter des gens. Ils sont assis là, ils regardent, et c'est le président Ouattara, ils regardent. C'est le président Ouattara qui doit les protéger, le président Ouattara. Mais on ne peut pas compter sur le vieux éternellement. Le vieux a besoin de se reposer. C'est pour ça que moi, je salue les ministres Adjoumani. Et je dis, tu les vois, les gens du PDCI, je les vois partout. Ils sont, en tout cas, je veux que mes frères du Nord, qu'on a donné le pouvoir, qui sont les plus riches du pays aujourd'hui, se réveillent. Je vais leur toujours dire ça, Soulé. Parce qu'il faut qu'ils se réveillent dans leur propre intérêt, pas dans mon intérêt, je dis bien dans leur propre intérêt. Maintenant, Soulé, dernier point. Tu sais qui est le ministre de la Défense? C'est Tene Ibrahim. J'ai été à Ferke. Ton Soro, là, il n'a même pas maison à Ferke. Soro Pouti, tu as la grande gueule, il n'a pas maison à Ferke. Moi, j'ai été à Ferke. J'ai été à Ferke voir le député Diomandé de Ferke. J'ai été bien logé, j'ai fait un beau séjour. Je suis allé à Kong, je suis allé à Kafolo, voir où nos soldats ont été attaqués. Tu vois comment je suis patriote. Quand nos soldats sont attaqués, moi, je vais là-bas pour aller soutenir mes soldats. Pour aller soutenir nos soldats. Mon affaire de mes soldats, là, je ne joue pas avec ça. Nos 49 soldats qui sont là-bas, là, ils seront libérés. Moi, je vous dis ça toujours. Parce que c'est eux qui font la sécurité de notre pays. Votre plan qui consiste à les soulever contre le pouvoir Ouattara, là, vous n'allez pas arriver. Vous n'allez même pas arriver. Lui qui est ministre de la Défense, là, il s'appelle Tene Ibrahim. Tene Ibrahim, là, il a fait les services de renseignement. Tu l'insultes, tu parles, tu cries. Il a verrouillé son. Tant que lui, le ministre de la Défense, il est fils de Ferke, là, Soro ne peut rien faire. Et puis ton Soro, là, trop peur de lui. Pourquoi il est en exil? Parce qu'il a peur de Tene Ibrahim. Il a peur. Au début, là, c'est Tene Ibrahim qui calmait les gens. C'est Tene Ibrahim qui calmait les Ahmed. C'est pour ça qu'il a eu la chance de sortir. C'est le Tene Ibrahim, là, comme lui, j'ai dit, c'était son frère, il calmait un peu les autres. C'est pour ça qu'il a eu la chance de sortir. Et puis, il a dû vous crier. Mais nous, ça ne nous plaît pas. Nous, là, ça ne nous plaît pas. La sortie de Soro, là, ça ne nous plaît pas. Moi, je te dis la vérité. Ça ne nous plaît pas. Et j'ai dit ça à mes amis. J'ai dit, le fait que vous avez laissé Soro sortir, là, ça nous humilie chaque jour. Ça humilie chaque jour la Côte d'Ivoire. C'est Soro qui crée tous les plans, tous les jeux, toutes les tactiques pour humilier la Côte d'Ivoire. Pour humilier le président Ouattara. C'est Soro. Et sous le moi, je te dis toujours, si moi, j'ai un pouvoir fort, là, mais je vais me donner toujours les moyens pour aider le président Ouattara, pour aider mon pays, pour que mon pays retrouve la paix et la vraie stabilité. Donc, cher ami, il faut te calmer. Il faut te calmer. Moi, je vais sur ta page. Et puis, pourquoi tu me bloques? Moi, je ne viens pas t'insulter. Je n'insulte pas ta maman. Je ne suis pas celui qui est mal éduqué. Tu n'as pas eu de mère. Moi, j'ai eu une mère. Ma mère a souffert. Moi, je parle comme les autres qui n'ont pas eu de mère. Et qui sont aigris, qui sont dans la haine, qui insultent comme ma maman déjà. Moi, je parle dans ça. Parce que eux, là, ils savent qu'ils n'ont pas de mère. Voilà. Ils savent qu'ils sont le malheur de leur propre mère. Non, eux, là, ils insultent maman déjà. Moi, je ne peux jamais insulter maman déjà. Parce que je sais comment la mère souffre. Je sais comment la mère souffre. Non, moi, je ne viens pas sur ta page pour insulter maman. Je viens sur ta page pour t'apporter la contradiction. Pour te dire que tu mens. Que voilà la vérité. Un homme comme ça, les gens ont obligé de le supprimer. Tu ne me supprimes pas. Moi, j'ai ma page. Mais je préfère aller sur ta page parce que les commentaires que je vois là-bas, moi, ne me plaisent pas. Quand je vais là, je vais à mon nom. Je vais à mon nom Zasso. Je ne mets pas derrière un faux profil. Je viens, je dis, je suis Zasso. Je t'envoie des réponses.
Tu me supprimes pourquoi? Tu me bloques pourquoi? Ça prouve que tu n'es pas convaincu. Au moins, si la personne, je vais t'insulter, tu peux me bloquer. Je ne peux jamais aussi insulter ta mère parce que ta mère, c'est ma mère. J'ai beaucoup de respect pour ta maman parce que c'est une mère. Je ne vais jamais l'insulter, jamais. Mais quand je viens faire des commentaires, tu ne peux pas me bloquer. C'est-à-dire, dans mes commentaires, quand tu me bloques, tu démontres que tu es petit. Tu es un enfant. C'est-à-dire, les mendiants, là, c'est vous. Parce que tu es obligé de défendre Soro pour être saoulé. Nous, les assos, là, on était déjà les assos avant d'être sous les réseaux sociaux. Moi, j'étais assos avant d'être sous les réseaux sociaux. Et j'ai commencé depuis le régime Babo. Sous le régime Bédier, c'est nous. J'étais au lycée moderne d'Aboisseau. Sous le régime Bédier, quand il y a eu le coup d'État de 99, c'est nous, on a dit, on est contre le coup d'État. Sur les salles, je te donne l'information. Moi, j'étais au lycée moderne d'Aboisseau. Je vivais au camp, mon oncle était policier. Au camp militaire de Yopougon. À la veille, je rentre à Abidjan. C'est le lendemain, il y a eu ce 24 juin, il y a eu le coup d'État. J'ai fait partie des gens qui ont dit qu'on n'est pas d'accord avec le coup d'État du pays. Mais tu ne peux pas savoir ce que ça nous a coûté au quartier. Tu ne peux pas savoir. J'ai dit, moi là, j'ai assumé, je ne suis pas d'accord avec le coup d'État. J'ai dit, je ne suis pas d'accord avec le coup d'État. Tu ne me connais pas. Moi, j'ai condamné le coup d'État contre Bédié. Donc, je continuerai de combattre tout ce qui est déstabilisation de mon pays. Je ne sortirai jamais de ça. Tous ceux qui tenteront de faire des coups d'État et déstabiliser la Côte d'Ivoire, je vais les combattre et je ne vais pas reculer. Je suis désolé, je ne vais jamais reculer. Donc, je pense qu'il faut te calmer. Il faut te calmer. Et puis, vos rêves qui consistent à s'appuyer sur Assimi Goïta pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, vous vous trompez. Aujourd'hui, la Tene Ibrahim a verrouillé le Nord. Soulé, moi je suis allé à Kafuro. Ce qui s'est passé à Kafuro là, l'attaque de Kafuro là, si Tene Ibrahim n'avait pas été fort, le Nord allait être contrôlé par les djihadistes et les terroristes. C'est moi qui te dis la vérité. Ce qui s'est passé à Kafuro, l'attaque du camp de Kafuro, si Tene Ibrahim n'avait pas été fort, nos soldats n'avaient pas été forts, le camp de Kafuro là sera aux mains des djihadistes. Le Nord là, ce qui allait se passer dans le Nord, Soro allait régler des comptes à nos parents du Nord. C'est-à-dire à toutes les ethnies, parce que là-bas il y a tout le monde. Les règlements de comptes allaient être graves. C'est-à-dire tous ceux qui soutiennent aujourd'hui Ouattara là, on allait tous les tuer. On allait tous les tuer. Mais Dieu a donné toute l'énergie nécessaire à nos soldats, à nos ministres de la Défense. Aujourd'hui, on est en train de verrouiller le Nord. On est en train de sécuriser le Nord. On est en train de protéger le Nord. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place des politiques pour permettre aux jeunes du Nord de s'occuper d'eux-mêmes, d'investir, d'entreprendre. Parce que quand les jeunes sont pauvres, il n'y a pas de situation. Les djihadistes et les terroristes arrivent facilement à les recruter comme ça se fait au Mali. Aujourd'hui au Mali, les djihadistes et les terroristes recrutent facilement les jeunes maliens à 200, 300 000 francs. Souvent même d'autres 500 000 francs. Les djihadistes ont des soutiens financiers. Donc c'est un système. Donc je voulais vraiment te dire que, désolé pour toi, moi Zasso, dans mon pays, mon combat maintenant c'est de m'asseoir dans mon pays. Voilà, moi je t'ai dit, moi j'ai créé ma petite entreprise, moi je suis là, je suis en train de faire asseoir mes bureaux un peu en Côte d'Ivoire. Voilà, il faut rester tranquille, si c'est pour moi là, il faut laisser. Toi et tes amis là, préoccupez-vous de vos vies et de vos familles. C'est-à-dire, vos familles là, préoccupez-vous de ça. Vous avez des cadavres dans vos placards, ça ne va même pas chez vous, et c'est vous qui avez la grande gueule. Cherchez à contrôler vos vies, vos familles. Cherchez à donner du travail à vos parents. Moi pour moi là, ne vous préoccupez pas de ça. Dans vos familles, là, il y a des gens qui souffrent, qui sont dans la misère, qui ont trop de problèmes. Allez-y vous occuper d'eux. Allez-y vous occuper d'eux, ça va vous aider. Ça fera des fois votre dignité. C'est-à-dire, souvent, je vois des gens qui font. Alors que dans leur famille, il y a des gens même qui me sollicitent. Souvent pour dire, ah, Zasso, il ne faut pas écouter mon frère là, j'ai besoin de ça. Est-ce que vous savez combien de fois nous on fait chaque jour, combien d'argent on dépense? Vous savez combien on dépense par jour parfois? Les gens ont trop de problèmes, vous êtes là, vous avez la grande gueule, alors que vous ne pouvez pas aider les gens. Vous ne pouvez même pas aider les gens.
tu es assis à Paris, tu fais la gueule là. Combien de jeunes Ivoiriens tu aides à Abidjan ici? Combien de familles que toi tu soutiens? Parce que l'argent qu'on te donne là, Soro te donne, c'est pas bon argent. L'argent que Soro te donne là, c'est pas bon argent. Moi, je préfère soutenir le président Ouattara parce qu'il a eu une vie stable. Il a fait des grandes études. Il est venu à la BCAO aux États-Unis. Il a travaillé. Il a fait la BCAO. Il a fait le Fonds monétaire international. Il s'est vu au service des grands pays. Aujourd'hui, il a dit à Soro, moi, je veux le pouvoir pour développer mon pays. Aujourd'hui, il est en train de développer son pays. Il y a des choses, des incidents qui sont arrivés à un certain moment. En 2010, dans notre vie, c'est normal. Soro était un babou. Oui, Soro, là, il était un babou. Soro était un babou. Il était avec beaucoup de cadres du RDR. Mais est-ce que Soro n'a pas abandonné Babou? Il a abandonné Babou, là, il est où aujourd'hui? Il est aujourd'hui, il est le président Ouattara. Il est aujourd'hui le président Ouattara. Après, il a voulu renverser le président Ouattara. Ce n'est pas lui qui est en exil aujourd'hui. C'est pas lui qui est en exil aujourd'hui. Malgré tout ce qu'on lui a donné, Babou a fait de lui premier ministre, ministre de la Défense. Babou lui a tout donné. Il avait un budget de 60 milliards de francs CFA. C'est dans ce budget-là que les Franklin Niamsi recevaient 6 millions de francs CFA par mois. Par mois, Franklin Niamsi avait 6 millions. Franklin Niamsi avait un passeport diplomatique. Franklin Niamsi était puissant. Il dormait dans les grands hôtels quand il arrive à Abidjan. Est-ce que tu sais que toi, sous le temps de Babou, pour que Babou rentre dans la zone gouvernementale et dans la zone rebelle, avec ces gens-là, il doit faire des demandes. Soro là, il quitte Boaké. Avant qu'il n'arrive, il est depuis Boaké. C'est-à-dire, on lève tous les corridors. On lève tous les corridors depuis Boaké jusqu'à Abidjan. Soro vient rapidement. Soro avait déjà cette maison à Abidjan. Il était dans ses affaires à Abidjan. Mais ça là, nous on a combattu ça. Moi j'ai dit au cadre pro Babou que c'est pas normal. Le monsieur de l'autre côté, vous ne pouvez même pas arriver là-bas. Il menace les gens. Il se comporte comme un maître. Et puis vous, vous le laissez rentrer à Bigard tout moment. Mais c'était l'œuvre de Blé Goudet. C'était l'œuvre de Blé Goudet. Pour te dire que je ne suis pas dans des crises qu'on m'en est, dans des luttes. Oui, tu es en train de mener un combat parce que tu veux que... Non. Moi, je fais ma part. Moi, j'étais dans l'opposition. Quand je venais au RDL, c'est les débats dans les agorés parlement et beaucoup d'injustices, beaucoup de choses que je ne comprenais pas à un certain moment donné. Quand j'ai vu que tout n'était pas clair, j'ai dit aux gens de Babou que non, ce n'est pas clair. Parce qu'on ne peut pas être dans une lutte et puis toujours vous accuser le président Ouattara. C'est le président Ouattara qui est ceci. Le président... Non, je leur ai dit, bah, écoutez, je suis vraiment désolé. Moi, je vais connaître le président Ouattara, je vais savoir qui il est. Je ne l'ai même pas connu. J'ai passé des mois à prendre mes responsabilités. À prendre mes responsabilités. C'est dans ça que les gens m'ont découvert. Demande autour de Mamadou, vont vous dire. C'est dans ça que je suis arrivé. Et quand j'étais dedans, je disais les mêmes choses. Il y a des trucs que je n'appréciais pas, mais je dénonçais dans le parti. Je dénonçais. C'est ce qui a permis au président Ouattara, à Mamadou, à mettre Bakako, de dire qu'on n'a qu'à nommer Zasso. Mais j'ai contribué à relever beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand je rentre en Côte d'Ivoire, je suis fier. Je suis fier de rejoindre le combat du président Alassane Ouattara. Je suis fier. Soro là, il rêve d'avoir Zasso, mais il ne peut pas. Parce que moi, je n'aime pas l'injustice, je n'aime pas les gens violents. J'aime pas les gens violents qui veulent forcément le pouvoir par les armes, qui tuent des innocents pour accéder au pouvoir d'État. Des gens qui tuent des innocents pour devenir président, je ne suis pas dedans. Des gens qui sont obligés de faire des coups d'État pour devenir président, moi je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Donc, chers amis, c'était ma petite vidéo à Soulé. Dites-lui que moi, on ne m'a pas pris comme un colis. Et où on va, tu arrives, tes parents te prennent. Tes parents te prennent, ils t'amènent en Europe. Et puis, tu arrives là, on vient te chercher à l'aéroport. Toi-même, tu arrives à l'aéroport, tu ne sais pas où tu es. On vient, on te prend. On t'entend te déposer à la maison, on te prend, on te met dans. Et puis encore, on te met dans le train. On te met dans le métro, on te dépose à la maison. Tu arrives là, il y a sauce arachide, il y a tout, tu finis de manger. Tu es assis là, on te fait tout, tu vas avoir papier, tu as grandi en France, et puis tu n'es pas allé à l'école en France. À l'école, en France encore, tu n'es pas allé à l'école. J'ai dit, je m'appelle Bougui, mais tu es un idiot, tu ne t'appelles pas Bougui, tu es un idiot. Tes parents ont souffert, au lieu d'aller à l'école, on dit, c'est toi qui es sur les réseaux sociaux, en train d'insulter son nom. Tes parents, là, ils ont souffert, ils t'ont amené à Paris. Mais tu devrais aller à l'école, faire plus que ça. Chance que toi tu as connu depuis là, nous on n'a pas connu cette chance. Nos parents ne sont pas venus nous chercher si vite. Ah non.
Toi, tes parents sont venus te prendre vite, vite, tu étais petit, puis on t'a pris. Au lieu d'aller à l'école, faire les grandes écoles, faire de bonnes choses, aujourd'hui, c'est toi qui es là en train d'insulter les gens à cause de Soro. Tu es là en train d'insulter les gens à cause de Soro, alors que tes parents compris, c'est parce que tu as échoué que tu as accroché à Soro. Tu as accroché à Soro parce que tu as échoué. Tu as accroché à Soro parce que tu as échoué. Tu es un voyou, tu étais dans les salons de coiffure. Tu dormais dans des salons de coiffure. Soro est ton seul espoir aujourd'hui. C'est Soro qui te permet d'être saoulé. Soro, moi, je te permets d'avoir une petite voiture. C'est Soro. Là, moi, les voitures que j'ai payées là. Vous qui faites vidéo là, il n'y a pas quelqu'un à son temps qui pouvait payer ça. Il n'y en a pas. Et puis, si c'est en Europe là, on sait comment on paye voiture nous tous. En Europe là, moi-même, j'ai payé, j'ai envoyé ça au Bénin, j'ai vendu beaucoup. J'ai payé là-bas, de la Suisse, j'ai amené au Bénin. Les voitures occasion que vous roulez, voitures des gens, que les gens, moi-même j'ai ça là-bas, trois. Que des amis m'ont donné, on dit ça, ça tient. Mais comme, à cause du nombre d'années, je suis obligé de laisser ça. Souvent même, je vais vendre ça au Togo, je vais vendre ça au Bénin. Souvent, je vais vendre ça au Togo ou au Bénin, j'envoie ça à mes amis, donc à vendre. Parce que ici, là aussi, c'est moins de 5 ans, mais c'est de grosses lettres. Moi, j'ai payé d'autres, mais c'est l'année qui nous fatigue. C'est l'année qui nous fatigue, parce que la loi dit, si c'est comme ça, tu ne peux pas faire ça. Voilà. C'est ça. L'Europe, là, on sait comment. Et puis, il n'y a pas de garçon en Europe comme moi. Voiture, la nouvelle voiture, là, on sait comment ça se fait. Même les maisons. Il y a des gens qui ont la grande gueule. Nous, on a payé maison. On sait comment on paye maison en Europe. Toi, tu es réfugié, tu as payé maison en Europe. Tu es réfugié. Et puis, tu n'as pas papier, tu as payé maison. Si tu as payé maison, c'est que femme, là, elle a la nationalité. Elle est peut-être... C'est leurs propres enfants, leurs propres filles. Elles travaillent. La femme peut te dire, grouille. Moi, je vais faire ça. Et puis, je vais payer caution. Et puis, maison, on va payer ça un pied. Il n'y a pas en Europe quelqu'un qui va payer maison cash. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Arrêtez vos mensonges. Il n'y en a pas. Moi-même, j'ai essayé quand je suis arrivé. Il y a des amis qui ont payé leur maison dans d'autres vies. J'ai vu des prix. J'ai essayé. Je connais. C'est ce qui m'a poussé à créer ma première entreprise en Suisse. Parce que je voulais me mettre dans les affaires vite, vite, pour vite payer cette maison. Mais ça là, si tu as fini de payer au caution qu'on t'a demandé, tu vas payer un peu par mois, tu es obligé de te stresser. Chaque jour, tu dois faire, il faut que tu aies l'argent pour payer la maison. Les factures sont chères. Chaque fin du mois, tu dois payer la maison. Ça dit maison là, chaque fin du mois, l'argent doit tomber. Si tu ne payes pas là, les banques vont t'arracher la maison. Donc tu as plus de pression. Moi, je ne veux pas être dans les pressions pour rien. Demain, il va y avoir VCD. Moi, il y a des gens qui ont commencé. Puis on leur arrachait. Les banques leur arrachaient parce qu'ils n'auraient pas. Non, ceux qui crient là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui va payer maison cash. Vous pouvez mentir à certains individus, mais pas moi, Zasso. Pas moi, Zasso. Voilà. Là-bas, tu as marié une femme blanche, tu vis avec elle. Elle peut te permettre, voilà, parce qu'elle se met devant, elle porte le nom, elle fait les affaires, oui, bon. Et puis, un peu, chaque fin du mois, vous devez verser tant. Mais si vous ne respectez pas ça, les banques là-bas, les banques s'amusent pas. On vient saisir tout. On vient saisir tout. Moi, je ne veux pas avoir de pression, je ne peux pas avoir VC. Voilà. Non, moi, là, pour moi, là, laissez ça tranquille. Parce qu'une fois que tu as payé maison, tu es obligé de ne pas dormir. On préfère louer maison que de payer maison. Moi, le jour, je vais commencer à payer maison. C'est que j'ai déjà une grosse partie de l'argent. Je paye cash, je paye un peu, puis je laisse à mes enfants. C'est tout. C'est tout. Moi, je ne suis pas dans ça. Où tu es là, tu vas te stresser, tu vas faire des bêtises, tu vas commencer à insulter. Tu as besoin d'argent. Facebook doit te donner l'argent. Du tout, parce que toutes ces pressions, tu as su ça sur toi. Je ne veux pas me donner la pression. Donc, porte-toi bien. Porte-toi bien, et puis. Oui, Marcel connaît, il faut venir investir au pays. Venez investir au pays. Venez investir au pays, venons tous dans notre pays pour investir. C'est ce que Dieu nous a donné. Tous nos frères ghanéens, nigériens et autres, ils investissent tous dans leur pays. Donc concentrons-nous, venons investir dans notre pays. Venons, il y a des banques, il y a tout. C'est à nous de construire notre pays. Ne restons pas comme ces gens qui sont sur les réseaux sociaux en train de raconter leur vie seulement. Des intellectuels, un bon intellectuel ne peut pas soutenir ça. Un intellectuel ne peut pas soutenir ça.
Un bon intellectuel ne peut pas soutenir Soro. Un homme qui a été à l'école ne peut pas soutenir Soro. Portez-vous bien. Ah, pardon, là-bas, tout est crédit. Moi, je suis allé en Allemagne. Je suis allé en Allemagne, je suis allé, j'ai visité chez des amis. Les gens sont là, ils bavardent. L'Europe, là, c'est pas comme en Afrique. Hein. Oui, allô, champion, tu es arrivé? Ok. Ça marche alors, ça marche. Était ton portable, mais ton Johnny a dit quoi qui est la vérité? Il a dit quoi qui est la vérité, ton Johnny? Parce qu'à chaque fois qu'on fait des vidéos, vous voulez toujours ramener Johnny. C'est-à-dire, je vous vois toujours dans les commentaires, Johnny, Johnny. Johnny, là, c'est vous qui ne le connaissez pas, moi je le connais. Moi je connais sa vie plus que vous-même. Je vous ai dit ici son mariage là, toutes les factures là, c'est ici, il a déposé. 50 millions pour faire mariage. C'est les gens qui ont cotisé pour payer son mariage. Moi, je vous ai dit ça. C'est les gens qui ont cotisé ici. Il sait pourquoi il est venu faire mariage à Abidjan. Un homme qui est heureux là, il fait mariage en Europe. Il ne vient pas à Abidjan. Moi, je vous dis ça toujours. S'il est heureux, il ne peut pas venir faire mariage ici. C'est les gens qui ont cotisé pour faire son mariage. Il sait pourquoi il a fait ce mariage. Parce qu'il a besoin de papiers. Il a besoin de se stabiliser. Non, lui, son problème là, moi, il ne rentre pas dedans. Parce qu'on n'a pas le même problème. Lui et moi, on n'a même pas le même problème. Lui, il se cherche. Il a besoin de ses papiers, de ses pays-là, pour vivre là-bas. Nous, on n'a pas ce stade. Nous, on a déjà eu tous les papiers. Moi, j'ai déjà des papiers qui me garantissent. Moi, je n'ai pas de problème. Voilà. Non, vous posez une question, tu dis d'arrêter. Je ne peux pas arrêter. Pourquoi je vais arrêter? Puisque c'est toujours vos questions qui reviennent. Ce sont les questions que vous ramenez à tout moment. Tu dis d'arrêter. Je ne peux pas arrêter. Parce que à chaque fois quand je suis en direct, Johnny, parce que seulement il insulte les mères des gens. Donc vous dites non, Johnny, Johnny, non. Non. Ici, la personne ne s'occupe de personne, personne ne nourrit personne, personne ne dépend de personne. C'est parce que vous êtes pauvre dans la tête, c'est tout. Sinon, moi, je ne vois même pas en quoi à chaque fois ça va revenir dans des débats. On parle des débats politiques, Johnny, 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 c'est qui? Il est qui? Il est qui? Quand moi je fais mes vidéos là, c'est tous ses parents qui m'appellent pour dire de supprimer. Je suis obligé de supprimer parce que c'est des parents. Parce que ce que moi je dis là, c'est très grave. Il est dans son business. Mais quand on le frappe là, quand on l'humilie, vous n'êtes pas là-haut. Vous le poussez, mais où il est là? Demandez-lui quand il sort, il est obligé d'être avec les gens. Parce que moi où je suis là, je peux sortir si je n'ai pas de problème. Parce que mon combat, je n'agresse pas la vie de quelqu'un. Et puis quand quelqu'un insulte les mères des gens, n'encouragez pas trop ça. Parce que personne, vous ne pouvez jamais accepter qu'on insulte vos mères. Vous ne pouvez jamais accepter qu'on insulte vos mères. Faisons la politique. Laissons les mamans en paix. Quand vous aimez quelqu'un, ne l'encouragez pas à insulter les mères des gens. Tu comprends? Ne l'encouragez pas. Des idiots comme ça. Bon. Je pense que on va avancer. On va maintenant avancer. Ils sont là souvent, ils traînent ici. Quand il va venir demain, il insulte les cadres du RHDP, il insulte Amadougon. Il insulte le président Ouattara, il insulte vos cadres, vous devenez muet. Vous devenez muet. Ah, ça, Johnny a insulté tant, Johnny a fait tant. Mais c'est son éducation. Demain, il va vous insulter, c'est vous qui allez courir ici encore. Mais c'est comme ça, il est. Moi, je le connais, c'est comme ça, il est. Mais c'est vous les mêmes là, parce que vous manquez d'arguments. Moi, ce matin, j'ai affaire à Soulé. Moi, ce matin, j'ai affaire à Soulé. Voilà. Maintenant, si vous m'envoyez là, moi j'ai fait vidéo la fois dernière. Ce sont ses parents qui m'ont appelé pour dire ça, il faut supprimer. Parce que ce que j'ai dit dedans là, ça les dérange.
pour respect de la mémoire de sa mère. Moi, je ne vais jamais insulter sa femme. Et je lui dis ça toujours. Mais s'il me pousse à bout, je suis obligé. Son village là, j'ai une vidéo de son village. Maison où son père dort là, moi j'ai ça. Et il va aller chez moi à Tchédjélé, il va voir où ce que mon père a laissé. Quand il va mettre ça là, vous allez avoir honte. Pour dire que tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux là, ça ne veut rien dire. Moi j'ai un statut politique. Moi j'ai un statut politique. Moi je viens de mon pays. J'ai pas de pression. Beaucoup veulent être à ma place. Parce que j'ai pas de pression. Mais Bruce Judicaël, je viens de te dire que j'ai ma propre entreprise, tu me dis d'aller travailler. Bruce Judicaël, je viens de te dire que j'ai ma propre entreprise et tu me dis d'aller travailler. Bon, je ne comprends pas. Je te dis que je suis en train de tout installer, mes bureaux, tu me dis d'aller travailler. Travaille pour qui? D'aller travailler pour les gens. À mon âge, là, je travaille pour les gens. Et moi, je ne te comprends pas. Depuis que je suis arrivé en Suisse, je travaille pour les gens. Je vais encore continuer de travailler pour les gens. Où les Turcs, les Espagnols, eux autres, travaillent pour eux-mêmes. Ils sont dans leurs affaires. Toi, tu me demandes d'aller travailler. D'aller travailler pour les gens, toi aussi. Non, il faut dépasser ce niveau-là. Toi aussi, toute nos vies, on va travailler pour les gens. Toute nos vies, on va travailler pour les gens. Non, il faut arrêter quand même, sois un peu intelligent. Sois quand même un peu intelligent. Toute ta vie, depuis que je suis arrivé en Suisse, je travaille pour les gens. Mais à un certain moment, je suis obligé d'arrêter pour travailler pour moi, mais parce que j'ai eu une expérience. J'ai eu une expérience, donc maintenant je suis à mon service. Je te dis ça toujours, tu me dis d'aller travailler où? Aller faire des travaux où tu finis, puis tu ne peux même pas payer ta maison, tes factures, c'est ça? Non, moi je ne vous comprends pas. Je te dis que j'ai mon entreprise, tu me dis d'aller travailler. Alors, moi je ne comprends pas. Je dis j'ai mon entreprise, tu me dis d'aller travailler. Ça veut dire quoi? Je veux que j'ai une question que je pose. Alors, Gaël, Fabrice, moi, je ne sais plus quelle question tu poses. Je t'ai dit, j'ai mon propre affaire. Tu me dis d'aller travailler. Bon, ça veut dire quoi? Moi, je ne comprends pas. Si tu n'es pas intelligent pour passer à autre chose. Je t'ai dit, j'ai mes propres affaires. Tu me dis d'aller travailler. Quelle est la différence entre travailler et j'ai mes propres affaires? Moi, attends, je ne comprends pas, hein. Si tu veux, je t'envoie tous les papiers de mon entreprise, tu vas voir. Moi, je fais mes propres affaires. Tu me dis d'aller travailler. Travailler pour qui? Toi-même, ton travail que tu fais là, est-ce que tu te suffis? Travail que tu fais là, moi, Zasso, je peux te payer. Moi, je peux te payer. Travail que tu fais là, ton salaire là, il faut me dire, là, c'est minable. Ton salaire que tu as là, c'est un salaire minable. Aujourd'hui, le combat qu'on doit mener, c'est de travailler pour nous-mêmes. C'est de travailler pour nous-mêmes. Quand tu travailles pour les gens, tu as trop de pression. En Suisse, là, je me réveille à 4 heures. Je me réveille à 4 heures. Je rentre souvent à 20 heures. Tu as une heure de pause. Non, une heure de pause, c'est trop. Tu as 30 minutes de pause. Attends, vous racontez quoi même? Ça fait combien d'années que je vis en Suisse? 12 ans. 12 ans. Tu vas te réveiller à 4 heures du matin. D'abord, quand tu viens là, j'ai beaucoup de choses, je n'ai pas envie de vous expliquer. Au début, quand tu arrives, tu as 2 ans pour travailler pour eux. Dans les forêts, dans les sous-sols, dans les tunnels, dans les quoi, tu ne dors même pas. Tu deviens... Oh. On vous dit de chercher à travailler pour vous-même. Vous dites aller travailler, aller travailler pour qui? Moi, j'ai plus de 40 ans maintenant. C'est... Moi maintenant je suis à mon compte. J'ai plus de 40 ans. Je vais encore travailler, courir, aller laver les enfants, aller suivre les chiens. Je suis plus à ce stade. Désolé. Je suis quand même un grand homme. C'est moi qui dois créer un travail maintenant pour donner aux gens. Attends, comme vous êtes idiot là, c'est pas affaire de justifier. Je suis en train de te parler. Ma soeur connaît, je te parle maintenant, tu dis justifier. Pareil, tu voulais que je te réponde là. Non, mais c'est la réponse que tu voulais. Je vais te donner la réponse. La plupart de tous mes petits qui sont avec moi là, eux, ils travaillent à leur propre compte. Parce que c'est mon combat aujourd'hui. J'amène les petits là à travailler pour eux-mêmes maintenant, pour ne plus travailler pour quelqu'un. Je me bats pour que des enfants aujourd'hui aient leur taxe. Ils soient dans les affaires. C'est mon combat aujourd'hui. Mon combat n'est pas de dire qu'aujourd'hui, moi, je vais me lever pour aller travailler pour quelqu'un. Toi, tu es malade. À mon âge, j'allais travailler pour les gens, tu es malade.
Tu es malade? Non, ça ne me pose pas. Non, moi je vous pose la question. Parce que je ne sais même pas ce que ça veut dire. Quelqu'un dit il travaille à son compte, il dit n'a qu'à aller travailler. Non, moi je vous pose la question, ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Voilà maintenant le fleuve d'Enflo. Ça, je t'ai compris. Toi, moi, c'est bon. C'est bon, moi, je suis d'accord avec toi. C'est ça. Nous, aujourd'hui, le président Ouattara dit, venez investir dans votre pays. Aujourd'hui, on crie partout que l'économie aux mains des étrangers. Mais en réalité, l'économie aux mains des étrangers. Vous arrivez au port, vous arrivez dans les commerces partout. Mais c'est beaucoup d'argent que les étrangers prennent pour aller dans leur pays. Nous, maintenant, on se bat pour récupérer ça, pour donner de l'emploi à nos frères ivoiriens. Vous dites que non, on n'a qu'à laisser ça, on n'a qu'à aller travailler pour les Blancs encore. Mais les Blancs même m'encouragent à travailler pour moi-même. Quand je suis arrivé en Suisse, mes premiers amis sont des Chinois. Mes premiers amis sont des Chinois. Vous arrivez dans tous les pays. Vous spottez les Chinois, les Coréens, les Russes travaillent aujourd'hui à leur propre compte. Tous les Européens, c'est-à-dire la diaspora, même les Français qui viennent ici ne travaillent pas pour la Côte d'Ivoire. Les Européens, c'est-à-dire les Français, là, quand ils viennent ici, ils travaillent pour eux-mêmes. Donc nous, les Ivoiriens, on doit maintenant travailler pour nous-mêmes. On doit chercher à contrôler tout ce qui est café, cacao. Est-ce que vous savez que les grands exportateurs de cacao sont des Libanais? Les Libanais sont les grands exportateurs de cacao dans notre pays. Mais c'est des milliards qu'ils font sortir du pays. Mais quand tous ces milliards sortent, c'est vous les Ivoiriens qui devenez pauvres. Aujourd'hui, la fonction publique emploie plus de combien de personnes? 200 000 personnes. Pour un concours de fonction publique, il y a plus de 100 000 personnes qui postulent. Mais il y a 200 000 places. Il y a 200 000 places. Les pays développés sont développés. Ils sont puissamment forts parce que ce qui est important là-bas, c'est les PME qui font l'économie de leur pays. Parce que les privés emploient plus. Donc, cherchons plus à être dans les privés que de passer notre temps à travailler pour les gens. Parce que plus on travaille pour les gens, plus ça ne va pas avancer. Donc, quand tu travailles pour les gens, là, tu souffres plus. D'abord, même tu travailles, mais tu sais pas ça. Donc, il y a un certain moment donné. Oui, non, puis chérie, Mbale était ton portable. Ah, tu as dit de changer de discours. Ok, d'accord. Comme tu m'as dit d'éteindre le discours, il n'y a pas de souci. Ah, moi, c'est vous qui parlez. Moi, je ne fais que vous répondre. Parce qu'il y a trop d'ignorance là. Donc, moi, je ne fais que vous répondre. Puis chérie, Mbale, c'est de soi, on en parlera. On en parlera. Voilà. Merci, merci, merci Suleiman. DST pour tes étoiles. Merci, tu es un champion. Tu es un champion, merci pour tes étoiles. Il faut qu'on sensibilise les Ivoiriens. On a une période de sensibilisation. Voilà. Voilà, maintenant les jeunes qui ont leur projet, qui veulent investir. Moi, nous, on ne fait qu'aider beaucoup de jeunes. Au lieu de rester sur les réseaux sociaux à insulter, appelez-moi. On va vous indiquer là où il faut déposer vos dossiers pour qu'on vous donne les financements, pour que vous arriviez vous-même à vous prendre en charge. C'est bon de travailler pour les gens, oui, c'est bon. Mais il est mieux de travailler pour toi-même. Et la Côte d'Ivoire a besoin de ça. Je suis arrivé au Ghana. 90% de la jeunesse ghanéenne, là, elle est dans le privé. Ils sont tous dans le privé. Ils travaillent pour eux-mêmes. Il faut que l'Ivoirien apprenne à travailler pour lui-même. Non, tu as mon WhatsApp, tu as mon WhatsApp. Il y a les ministères que le président Ouattara a mis en place. Il y a trop de ministères. Tu as mon WhatsApp, tu m'appelles. Moi, je vais t'indiquer là où tu dois partir, déposer tes dossiers, ton projet, tout ce que tu veux comme projet. C'est le combat aujourd'hui du chef de l'État. Voilà. Et Dieu, on a trop duré en Europe, on a trop travaillé pour les Blancs, on a qu'à venir pour travailler pour nous-mêmes. Donc, chacun doit se battre pour venir travailler pour lui-même. Il faut qu'on récupère notre économie. Il y a des vidéos que je vais faire, puis je vais vous expliquer des choses. C'est-à-dire, le ministère du Commerce, le ministère de l'Emploi et autres, je vais vous faire sortir des agréments. Je
J'ai fait une vidéo où je vais vous expliquer beaucoup de choses parce que j'ai eu beaucoup d'informations, j'ai beaucoup de documents. Et vous, les Ivoiriens, vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Portez-vous bien, éteins ton portable. Merci, on a... Donne-moi ton numéro WhatsApp. Bon, prends mon numéro. Voilà mon numéro WhatsApp. 00 41 76 420 82 25. Voilà mon WhatsApp. 41 76 420. Non, je me suis trompé, je supprime. 00 41 00 41 76 420 82 25. Voilà, ça c'est mon numéro. Voilà, ça c'est mon numéro. Kwamela Juan Jordan. Ça c'est mon numéro. Vous enregistrez vos projets, vous les envoyez. Je vais vous diriger là où il faut vous diriger. Voilà, le ministre Touré Mamadou est là, le ministre des Emplois est là, des PME est là. Et puis vous allez travailler pour vous-même, vous allez faire vos propres affaires. Vous serez plus autonome, vous serez plus libre. Voilà, vous aurez un peu de temps pour faire un peu de vidéos, vous aurez du temps pour faire vos activités politiques. Parce que moi, un homme politique a besoin de travailler pour lui-même. Parce que quand tu travailles pour les gens, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps pour faire tes activités politiques. Quand le président Ouattara est rentré dans la politique, il a arrêté beaucoup de ses activités. Il est obligé maintenant, la nuit, parce qu'il doit faire des activités politiques. Tu dois aller sur le terrain, partout. Si tu es toujours occupé, tu ne peux pas. Donc, tu crées les affaires, toi mets tes petites affaires, tu les gères, tu te donnes un programme, et puis c'est cool. C'est pour ça que vous me voyez, je suis beaucoup, voilà, je suis beaucoup en Côte d'Ivoire, je viens, c'est beau. Je ne suis pas stressé. Je n'ai pas besoin qu'à 4h du matin, on me réveille pour dire non. Ok, c'est compris. Sangaré Adama, RHDP va me pardonner par rapport à vous. On va me pardonner par rapport à vous. J'ai fait quoi et puis on va me pardonner. Moi, je sais pas. J'ai fait quoi et puis on va me pardonner. Il va me pardonner par rapport à vous. Toi aussi, il y a des sujets, ça là, j'ai dépassé ces sujets-là. Voilà. Voilà, portez-vous bien. Maintenant, je vais répondre aux questions. À chaque fois, si je fais les vidéos, il faut que je sensibilise les gens. Voilà. Parce que les gens ne savent pas que nous, on est politiciens. Je le répète, hein. Je suis un politicien. J'ai besoin de beaucoup de temps pour me consacrer au combat du président Alassane Ouattara. Cher ami, j'arrive, s'il te plaît, j'arrive. Je suis un homme politique, j'ai besoin de plus de temps pour me consacrer au peuple, être dans le combat du président Ouattara. Donc ce que je fais maintenant là, c'est pour moi-même. J'explique ça bien pour que les gens comprennent. C'est-à-dire, quand je fais mes affaires là, c'est pour moi-même. J'ai le temps, ça me donne du temps. Voilà, je me garde. Je dis, vous gérez et puis on avance, c'est cool comme ça. Je n'ai pas de pression pour me lever à 4h du matin. Tu vas aller jusqu'à toi venir à 18h, tu n'arrives même pas à voir ta famille, tes enfants. Je pense que c'est bon. Voilà. Si c'est ça qui est votre problème, voilà la vraie réponse. Voilà. 4h du matin, tu vas partir pour. À la fin, tu as un petit salaire. Tu vas payer maison. Tu vas finir de payer maison. Tu vas payer les factures. Tu vas payer tout ça. Et puis tu n'as plus rien. Vous voyez, ce n'est pas facile. Donc, essayez de réveiller un peu vos consciences. Moi, je pense que quand on répond comme ça, c'est bon. Oui, appelle-moi, hein. Appelle-moi, à tout à l'heure, à tout à l'heure. Je pense que je dois maintenant répondre pour que les gens comprennent. Parce que quand tu ne réponds pas, ils ne te comprennent pas. Vous voyez que les injures ont diminué. Parce qu'ils sont en train de comprendre maintenant. Tu vois. Tu as vu. Moi, j'ai un ami aujourd'hui qui a des grands business de Garba. Il a fait des Garba modernes. Je lui ai dit, frère, fais ton affaire. Il a quitté l'Europe aujourd'hui, il a des Garba modernes.
Il a eu des financements, il a fait un beau cadre, son garba marche. Voilà le débat qu'on doit mener aujourd'hui entre nous les Ivoiriens. Zasso, qu'est-ce que tu dois faire pour que moi ceci, moi cela, voilà ce qui m'intéresse. Mais venir insulter, injurer, raconter, ce n'est pas ça qui est important. Parce que le combat, c'est de matérialiser le combat. Le président Ouattara dit, je mets des fois à votre disposition. Je fais ceci, je fais cela, venez faire ça, venez faire ça, venez faire ça. Il ne faut pas toujours rester là. Ah, les Maliens, notre économie, les Maliens ont fait ça, les Burkinabés ont fait ça. Mais nous, on peut faire ça. On peut prendre ça. Et puis, il y a l'argent dedans. Il y a l'argent dedans, il y a l'argent. C'est plus que les boulots que vous faites pour les gens. C'est plus que les boulots que vous faites pour les gens. Il y a des fonds, il y a des financements. Venez, dites Zasso, financement là, c'est où? Moi-même, là, je vais vous guider. Parce que beaucoup d'entre vous, là, vous n'avez pas d'emploi. Vous n'avez même pas de situation. Vous n'arrivez pas à payer vos maisons. Vous souffrez. Le président Ouattara vous donne l'occasion. Il vous donne des possibilités. Parce que lui, là, quand il est arrivé aux États-Unis, il a été taximètre. Il a fait, c'est un homme d'affaires. Hein, le président Ouattara que vous voyez là, c'est un homme d'affaires. Il a des affaires. Le président Ouattara a des affaires. Au Gabon, dans beaucoup de pays, il a ses affaires. Le président Ouattara a plus le temps parce qu'il travaille pour lui-même. C'est pour ça qu'il a géré le RDR. Il a géré le parti pendant des années. Parce que s'il travaillait au Fonds monétaire international, il ne serait jamais président. Parce qu'il ne va pas avoir le temps. Là-bas, là, le programme, l'emploi qu'on te donne, ton programme, là, c'est chargé. Comment elle allait quitter là pour venir mobiliser des militants? Comment elle allait quitter, venir là-bas, aller au Kakourougou, en Côte d'Ivoire, partout, parcourir toute la Côte d'Ivoire? Comment elle allait le faire? Parce que chaque jour, il avait un programme chargé. Donc, quand vous faites vos commentaires, réfléchissez un peu quand même. Réfléchissez et puis comportez-vous comme des hommes. Hein? Sazuki, bon, portez-vous bien. Hein? Portez-vous bien.